Et bonjour YouTube et bonsoir le stream. Nous nous retrouvons pour la suite de nos aventures sur Cyberpunk 2077. Après une session où ma foi. Comment ça mes récompenses? D'accord. Ma foi, on a été assez productif sur les secondaires. Salut, Night City, ravi de vous retrouver. Mon invité ce soir est le lieutenant Sarah Krakowski, porte-parole du NCPD. Bonjour ma belle. Alors, bienvenue ça, on dans l'émission. Déjà écouté. Bonjour Ziggy. Merci de m'avoir Ziggy. Invité. J'espère que vous n'avez pas eu de mal à rejoindre le studio. Pas de carjacking ou de fusillade en chemin. Bon, vas-y, on continue. Alors, on s'est arrêté là. Et qu'est-ce qu'on devait faire? Oui, on devait aller voir notre pote. Le bro, là. C'est Takemura? Ouais, Takemura. C'est ça, j'ai l'objectif à droite hein, qui me le met. Comment ça, l'inventaire, il est plein, là? Et je reviens de la planque, en plus, les gars. Oh, petite casquette, là. Voilà. Un petit peu de style. Non, parce que, bon, mis à part le pantalon qui est dégueulasse. Bon. Ça change pas grand-chose. En vrai, je vais garder le style des lunettes. Ok. Putain, pourquoi j'ai ça, là? Et ça, c'est moins bien. D'accord. Et j'ai des armes. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait, juste? Ah, évidemment, j'ai des armes mieux. Évidemment, j'ai des armes mieux. Ce serait pas drôle, sinon. Bah vas-y, on va garder le même fusil à pompe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouh là là. Je crois que j'ai fait une connerie. Attendez. Je crois que j'ai fait une grosse connerie. C'est pas perdu. Non, parce que j'ai démonté quelque chose que j'aurais jamais dû démonter. Donc vous savez ce qu'on va faire maintenant? C'est au lieu de démonter comme un kiki, on va d'abord ranger dans le coffre. Et ensuite... ah oui, mais non, mais ça marche pas. Donc faut d'abord que je m'équipe, ensuite on range, et ensuite on démonte. C'est quoi que j'ai démonté? Liberty, épique. Putain, et il est mieux que celui que j'ai, hein. Bon, en même temps, il est épique. Donc, il y a peut-être moyen que je l'équipe. En attendant de pouvoir... ouais, vous savez quoi, on va l'équiper, hein. Vas-y, hein. Mais il me dit qu'il est moins bien. Pourquoi il me dit qu'il est moins bien? Ah, mais parce que j'avais le silencieux, du coup, forcément, j'ai moins de DPS. D'accord. Ouais, donc en soi, j'aurais pu... Eh, c'est juste à cause du silencieux. Et là, il passe à 195. D'accord. Ouais, je trouvais un peu anecdotique les upgrades de dégâts la dernière fois qu'on avait fait sur lui. Mais en fait... Tout est justifié. Ok. Donc on va arrêter les conneries. De grâce. Bon, on va pas le démonter pour autant. J'ai démonté le sniper. Bon, c'est pas grave, hein.
Allez, hein, on va dire ça comme ça. Bon, ce sera jamais aussi bien que mon katana. On va pas se le cacher. Après, c'est vrai que je pourrais mettre des modules hein, sur mes armes iconiques. Faut voir les modules que j'ai en stock. Mais si j'ai des modules de bâtard, pourquoi pas, hein. Bon, ça, c'est des modules nuls, par exemple. Mais peut-être que dans fabrication, on peut fabriquer des modules de fou. C'est pour les monocables, d'accord. Accessoires. Eh, hey, je peux pas crafter de modules. Le crusher. C'est juste une arme légendaire. C'est pas une arme. Je pense pas que les armes iconiques, on puisse les... Scalpel, épique, iconique. Ah, donc le katana qu'on a, on peut le... En rareté épique. Ah, donc il me le faut quand même en version... D'accord. Ok. Le pire, c'est que j'ai les ressources. Hein. C'est ça qui me rend ouf. J'ai les ressources. Mais juste, avantage requis, mécano. Donc ça, ça va être dans personnage. Attendez. Hein. Ah ouais, ça va être dans ça, c'est sûr. Donc permet de, voilà, de fabriquer des objets rares. Et je suppose que... Mécano. Niveau 12, hein. Niveau 12, on est niveau 9. En vrai. C'est pas dans si longtemps que ça. C'est pas dans si longtemps que ça. Bon, désolé, je perds un milliard d'années, c'est normal. Bon, par contre, les modules, en vrai, je vais attendre dans tous les cas. Parce qu'on n'a pas... On n'a pas des trucs si intéressants que ça pour l'instant. Donc j'ai pas trop l'intérêt de... Accès rapide. Ouais, j'ai pas de couteau. Hein. Faudrait peut-être que j'utilise les MK1 et que je me garde en stock. Ah, il y a une différence entre les max doc et les revitalisants. Ok. Je viens d'apprendre un truc, là. Je viens d'apprendre un truc. Du coup, on va ranger. Pourquoi j'ai gardé ça? Je sais pas. Pourquoi j'ai gardé ça? Ok, bon, et du coup, on doit aller voir Takemura. Voilà, hein. Au bout de 10 minutes de VOD, tout va bien. Et on a encore une tonne de quêtes et de contrats à faire. On va quand même aller voir Takemura pour voir ce qu'il va nous dire. Génial, non ? Du trigger. En plus, c'était juste à côté hein, depuis tout ce temps. Alors. Je t'en prie. Tu n'as pas l'air si mal en point. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Pourquoi tu m'as aidé, au fait? J'avais besoin de toi en vie. C'est toujours le cas. C'est pour la biopuce? C'est pour ça que je suis là?
On m'a dit qu'elle était irréparable. Toute tentative d'extraction serait catastrophique. Tu en mourrais. Vic parle trop parfois. Peu de gens seraient arrivés à faire ce qu'il a fait. Tu lui dois beaucoup. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn, pourquoi elle t'intéresse? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Il est pas con, hein. Tu viens de répondre toi-même à ta question. Evelyn doit être loin, maintenant. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle pourrait t'aider à retirer la puce? Elle est soutenue par une corporation? Non, je pense pas. Est-ce que tu pourrais développer? Un corpo aura beau s'asperger de parfum au petit déjeuner, il finira toujours par puer l'escroquerie avant midi. Tout ce que j'ai senti chez Evelyn, c'est sa détermination. Alors, moi aussi, je pue l'escroquerie? Non, toi, tu commences à puer tout court. Désolé de pas avoir pu t'aider. J'ai pas de temps à perdre, alors. Attends. J'ai besoin de toi. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Ah, il a l'info. Je dois faire justice. À Night City. Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. Attends, mais il a deviné tout seul ? J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un merc ? Pour l'instant, si tu sais que j'ai. De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Ils me traquent. Ah ouais ? Attends, quoi ? Attends, il y a un truc que j'ai loupé ou quoi ? Genre, il est plus au service d'Arasaka. Et en plus, il a capté. Bon, en fait, il a fui, quoi. Et il veut venger son vrai maître. Et si je dis non ? Alors, je te dirai ce que je t'offre en échange de ton aide. Alors quoi ? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier et qu'il a assassiné Saburo, son propre père ? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges ? Non, merci. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourant. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Et de quel genre de personnes on parle exactement ? Celles qui constituent le cœur d'Arasaka. Celles dont l'intérêt est la croissance stable de la corporation. Des personnes comme Anderselman, tu veux dire ? Comment connais-tu ce nom ? Un casse, ça demande de la préparation. Elman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Dans le futur, la télé, c'est à 15 FPS. Je voudrais d'abord vous demander... Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey ! J'étais en train d'écouter ! Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit ? T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemura. Heureusement que ton copain est plus futé que toi. Ouais, fais gaffe quand même, hein. Parce qu'à mon avis, lui, il est déter. Hein.
L'homme est pas méchant. Il a tendance à dire ce qu'il pense, c'est tout. Il me rappelle un peu mon père. Lui aussi a passé sa vie dans une cuisine. S'il y a bien un truc qu'on veut éviter, c'est de se faire remarquer. Désolé. C'était un réflexe stupide. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville? Pourquoi faire? J'ai besoin d'aide, et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Alors soit Evelyn Parker, et il faut la trouver, soit... Le temps presse, V. Eh, mais du coup, si je dis ça, c'est... Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyn. Je sais pas si c'est un vrai choix. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien, mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça à Yorinobu Arasaka, hein? Cette femme, Parker, ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Ok, c'est soit, j'insiste sur ça. D'un côté, il a pas tort. Parce que Evelyn Parker, c'est pas Evelyn Parker, en fait, le... En fait, ce serait sûrement la collègue, je sais plus comment elle s'appelle, là. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue? En fait, j'ai deux choix, mais c'est... Volatiliser. C'est des faux choix, en fait. Eh ben, t'as pas chômé ces derniers temps. Je ne vais pas rester les bras croisés, alors que j'ai des informations à rassembler et des actions à planifier. Ouais, tu fais ton job, quoi. Mon ancien job. Pourquoi tu voulais trouver Hellman? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux, et pourrait être un témoin capital. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu, un club appelé l'After Life. J'ai vite été congédié par leur reine des fixas, Rogue. Tu veux dire que t'as bossé pour Saburo, mais que t'as pas la moindre idée de comment t'adresser aux puissants? Elle ne voulait rien avoir à faire avec l'homme accusé du meurtre de Saburo Arasaka. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. C'est un faux Quand choix, là. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. Parce que moi, je pars quand même du principe que... Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. En vrai, si je peux le faire pour lui, ça me plaît. Mais je serais quand même plus d'avis de retrouver Evelyn Parker. Ces ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique, et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé? D'abord t'essaies de me buter, et maintenant tu veux qu'on soit potes? Genre, tout va bien? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un peu réfléchi, et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con! Hé,
C'était pas facile pour moi non plus, hein. Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueu. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'afterlife. Y a pas de nous. Pourquoi? Moi, je veux bien. Appeler Judy facultatif. Trouver Evelyn ou Lydiz. Comment ça? Verrouiller. Attendez. Parce que je crois qu'en fait, on va avoir les quêtes, mais en deux temps. Ou alors on a deux quêtes et faut choisir laquelle on prend. Eh, hey, regarde ça. Intéressant. Eh, hey, vise un peu ça. Tu le vois aussi, non? Soit mes fusibles ont grillé, soit je vis un moment mystique. Comment elle s'appelle? Tu sais, la nana avec les cheveux. Misty? Non. Ça doit plutôt être un court-circuit neural dont Vic va devoir s'occuper. Mais je pourrais en parler aux deux. D'accord. On a des... Oh, bienvenue à la maison. Ok, on a la possibilité d'acheter des appartements, je pense. D'accord, alors attendez, parce que... Ça y est, c'est... on est en train de matraquer de quêtes dans tous les sens. Se rendre à l'afterlife. En fait, j'ai deux principales... Moi, je pense que l'une n'invalide pas l'autre. Les deux vont bider par rapport à la puce, ça c'est sûr. Les deux vont bider, en gros on doit faire les deux quêtes. C'est quoi ça? Parler à Misty. Trouver tous les graffitis de cartes de tarot dans la ville. 1 sur 20, par la victoire facultatif. Ok. Faut faire ça aussi. Le problème des appartements, c'est qu'il faut connaître les prix. C'est où? Cela dit, Misty, c'est vraiment à côté. Donc on va aller d'abord par la Victor. Oh, y a 2-3 petits contrats ici et là. Northside, 5 000 $, paiement unique. C'est tout? 5 000? Genre les voitures coûtent plus cher que... Ok. Putain, il y a les petits contrats aussi, hein. Ça me botterait bien de finir... Mais bon. Bon, on va aller voir Victor. Ah ouais, d'accord, stylé. Deux secondes. Ok, on n'est pas obligé d'en parler maintenant. J'ai 2-3 questions sur la puce et sur Silverhand. Je suis pas un expert, mais demande toujours. Je répondrai au mieux. Il a essayé de me coller un très plat. Quoi?
Comment je fais pour le retenir et l'empêcher de me tuer? Bah, tant que tu lui laisses pas le contrôle, il peut pas te faire grand-chose. Mais au bout d'un moment, t'auras vraiment plus le choix. Et il se passera quoi? On va pas attendre de le savoir. Trouve un moyen de te débarrasser de Silverhand, et vite. Comment ça se fait que j'arrive à le voir? Bah, cette biopuce est conçue pour pouvoir communiquer avec un construct. Elle fait juste son boulot. D'accord, alors merci Arasaka. Tu sais, tu dois être le possesseur de reliques le moins fortuné, au propre comme au figuré. Pourquoi je revis les souvenirs de Johnny? Vous partagez le même cerveau. Il a accès à tes sensations, tes perceptions, et même à certains souvenirs. Et toi, tu as accès aux siens. Au bout d'un moment, tu sauras plus si c'est les tiens ou les siens. Écoute, te moque pas, mais je vois des trucs bizarres en ville. Des sortes de fresques. Mais je sais qu'elles sont pas réelles. Bah, c'est juste un bug de Kiroshi. Je peux regarder. Non. Les images sont trop complexes pour un bug. On dirait des sortes de symboles. Dans ce cas, c'est la biopuce. Ton cerveau n'arrive pas à gérer la surcharge de données. Ou bien ton cortex est atteint. Tu peux faire quelque chose? Non. Vaut mieux trouver comment te débarrasser de la biopuce. Ok. Bon, alors, faut trouver tous les graffitis de la ville. Mais on peut parler à Misty d'abord. Je pense. Je vois qu'il y a un graffiti, mais en haut. Est-ce que je peux essayer de grimper? Est-ce bien possible? Attends, mais à l'aide. Pensez vraiment que je peux grimper comme ça? Ça va prendre 1000 ans, mais on va le faire, hein. Je veux le tenter, voir. Ouais, parce que... Ouais. C'est un rebord concret, hein. Ça, c'est pas un rebord concret, par contre. Dommage. Ah, merde. Du coup, on peut pas grimper comme ça. Attendez, peut-être que si. Ok. Ensuite. Ok. Putain, mais c'est trop vénère. J'aime bien parce que à la base c'est juste pour poser le linge. Moi je fais le ninja dessus. Par contre c'est tendu quand même, hein. Non. Ouais, alors j'ai fait me péter la gueule donc j'ai préféré faire ça. Alors je suis sûr que c'est encore vachement plus haut. Et qu'en en faisant le tour de la boutique, on aurait pu facilement atteindre le graffiti. Sauf que ça a l'air d'être derrière quand même, hein. Qu'est-ce que je fais? Mais attends, non, non, jamais de la vie j'arrive en face. De toute façon j'ai pas d'élan. Oh putain, le génie. C'est encore... Non mais non. Jamais on y arrive. Jamais on y arrive. C'était l'idée de con. Ah. Ouais non mais... Voilà. Hein. C'est un drame, hein. Il y a un monde où ça passe. Après, il y a un monde où je meurs. J'ai moyen de sauvegarder vite fait là. Vas-y, sauvegarde rapide. Oh putain. Mais ça se trouve, c'est dans le bâtiment en plus. Non. Ah mais lui, attends, c'est pas le cyberpsycho de mes couilles. Ah mais attends, mais il est plus en mode tête de mort. Je peux m'en occuper.
Oh, je déteste ma vie. Comment j'ai fait pour revenir là, moi? Non, mais attends. Non! Bon, c'était des cons dans tous les cas. Toi! Ah, je peux pas. Affiliation NCPD. Ah, mais c'est pas du tout un cyberpsycho en fait! D'accord! Bon, maintenant que t'es revenu. J'ai vu une image bizarre dans la rue. Ça m'a fait penser à toi, à ton boulot. Tu peux me la décrire? Je l'ai scanné, regarde. Un tarot. Un arcane majeur. T'as vu un signe d'une puissance supérieure. T'as dit quoi? Un arcane majeur? Une carte de tarot, un archétype, un savoir sous forme symbolique, une étape dans le voyage de ta vie. À toi de choisir. Bon, bref. Tu dis qu'une puissance supérieure me parle à travers les tarots? À toi ou à Silverhand, ou à vous deux, vu que vous formez un tout harmonieux pour le moment. Ça simplifierait les choses si cette puissance supérieure était plus directe. Tu sais, le monde est un labyrinthe d'illusions. La lumière a du mal à éclairer la prison de notre existence terrestre. Ouais, super. Et moi je fais quoi d'un signe que je pige pas? Et qui vient d'une puissance dont je sais rien? Je commencerai par en chercher d'autres. Le tarot décrit une route. Alors, tu dois la suivre. Je sais toujours pas ce que je suis censé faire de ce que je trouve. Cherche d'autres images. Elles doivent être liées à l'endroit où tu les trouves. Mm-hmm. Pense à ce que tu vois. Si tu veux mon avis, on te les envoie pour t'aider à trouver la vérité. Trouver la vérité, c'est pas franchement ma priorité en ce moment. Une épreuve difficile t'attend lorsque tu devras choisir la route à suivre. Alors, tu comprendras. Je sais pas. Reviens quand tu en auras trouvé d'autres. Je t'aiderai à déchiffrer ce que t'as vu. Ok. Bon, bah du coup, ça c'est fait. Donc on va quand même essayer, tant bien que mal. En fait, Garrett, c'est mort. De... Je me dis que limite c'est plus faisable d'aller là-haut. Et ça se trouve là je me prends la tête. Alors qu'en fait c'est simple. Y a pas genre un endroit où c'est vachement plus haut et... Ah, y a ça là-haut, hein. Je fais comment pour monter? Non, je peux pas. Je t'ai déjà dit pourquoi. C'est ça. Est-ce que je peux au moins monter? Non, mais attendez. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ou c'est parfait, ça? Alors ça, c'est parfait. Voilà. Ça, c'est un défi à ma hauteur, ça. Voilà, c'est bon. Nickel. Et on est de retour casse départ. Voilà, nickel. On est de retour dans cet endroit de con. Est-ce que je peux aller là-dedans? Non, parce que ça se trouve, c'est un accès direct. Parce que là, même si je remonte là et que je me retrouve là, résultat des courses, j'aurai dans le cul. Ah, remarque si je prends de l'élan. Remarque si je prends de l'élan, il y a un truc à faire. Mon dieu. C'est super haut. Bah, je vais mourir, hein. Alors, je sais qu'on a plein de choses à faire super importantes, mais
Ça me semble super important de déterminer à quel point je suis nul. Attends, si je prends de l'élan, vous pensez que ça... Non ! Pas du tout. Merci à tous. C'était pas loin. C'était pas loin. Moi, je pense qu'il y avait un truc à faire. Tout ça pour un putain de graffiti. Vous savez, ça va être une blague. On va arriver en haut. Vous allez voir. Ouais, en fait, l'idée, c'est d'aller là. Est-ce que par là, il y a un passage ? On va essayer de varier un peu les plaisirs. Ça a l'air pire. Moi, je pense que l'idée, c'est d'aller là. Après, peut-être qu'en passant de l'autre côté... Non, c'est horrible. Bon. Bon, on va partir sur l'idée numéro 1. Enfin, numéro 2. À moins que je puisse aller là-dedans. Ouais. Non, impossible. Désolé, je peux vraiment pas. Mais non, c'est nul. C'est ce truc orange, là. Je sais pas où ça mène, mais... Est-ce qu'on peut aller dedans? Moi, j'y crois pas. Bon, alors. C'est ici, hein. Non, c'est ici. Je check par là, au cas où. Je suis sûr qu'il y a un endroit où on peut genre prendre un ascenseur et grimper easy. Là je me fais chier à faire du platforming alors que ça se trouve c'est pas possible. Mais du con. Il a pas activé son double saut. Mais. Attends, et tout à l'heure j'ai tout fait first try, tu vas pas me dire que là. Soudainement, t'as décidé. D'être un gros con. Bah, apparemment. Vous kiffez là l'épisode. Surtout, n'oubliez pas de mettre en 2K, hein. C'est indispensable là. Hein. C'est vraiment indispensable. Hein. Sinon, si vous la mettez pas, vous êtes en train de rater une expérience de visionnage. Alors c'est bien, je suis là-dessus. Non, on peut pas. On peut pas. D'accord, donc c'est vide. C'est bien vide. C'est passionnant. Bon allez, je le tente une dernière fois. Au moins on fait monter l'athlétisme. Ça se trouve, il y a peut-être moyen de grimper là-dessus.
Oh mais oui. Idiot. Ouais, enfin c'est... On peut, mais c'est vite fait quoi. Parce que si je fais ça... C'est une idée à la con. Hein. C'est vraiment une idée à la con. Surtout que... Là, le jeu me montre que c'est encore plus haut. Oh là là. Non mais en fait, c'est là-haut. C'est pas sur cette plateforme à la con. Après, ça se trouve, cette plateforme à la con est la clé pour accéder plus haut. Si j'arrive à monter sur la tête de cette antenne là, c'est win. Oh oui! Oh oui! Non! 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 Un poil de cul! Ouais, non, mais alors jamais de la vie vous me verrez faire ça. Attendez, je vais où là? Oh oui! Oh oui, c'est bon! On a réussi! On n'a pas perdu tout ce temps pour rien! Oui! J'y suis! Le monde. Ça se trouve, c'était le truc le plus dur à trouver. Hein. Attendez, j'aimerais bien voir le chemin legit pour accéder à cet endroit. Oh putain, je m'en doutais, depuis tout à l'heure je m'en doutais, il y a l'intérieur d'un bâtiment. Attendez. Ça fait 20 minutes qu'on bataille, il y a un ascenseur. Non mais au moins c'était une épreuve. Attends, un ascenseur qui donne sur la ruelle? Comment ça? Je suis très curieux de savoir où est-ce qu'on arrive. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Non. Juste à côté de l'entrée. Du charcutoc. Non mais c'est surfait les ascenseurs. C'est vraiment surfait les ascenseurs. Mama Wells, elle est où Mama Wells? Mais Mama Wells, elle est au bout du monde aussi, là. Oh mon Dieu. Ah, mais attends, mais le jeu nous dit où sont les cartes de tarot? Oh, mais c'est craqué. Je pensais qu'il fallait au moins se déplacer à côté. Oh. Bon, alors, vu qu'on a perdu Milan, comment dire? On va aller faire ça. Remarque, on peut aller faire ça, c'est à côté. Oh, il y a une carte de tarot tout là-bas. Au bout du monde. On ira quand, voilà, quand on aura besoin d'y aller pour autre chose, parce que voilà. Voilà. Bon, on a deux contrats à faire. Ah bon, on peut pas tout faire. On peut pas et perdre du temps pour un graffiti à la con alors qu'il y avait un ascenseur qui nous permettait d'y aller en 2 minutes, même pas. Et s'occuper des quêtes du scénario. C'est incompatible. Faut faire des choix dans la vie. Hein.
Moi, je fais le choix de vous proposer l'expérience. Vous pouvez faire le choix de soit regarder, soit zapper. Soit vous désabonner. Soit vous abonner. Soit faire des dons. M'insulter sur mon chat. Voilà, tout le monde fait ses choix. Salut V. Qu'est-ce que tu dirais de faire une bonne action et d'être payé pour ça? Il va falloir sauver quelqu'un des griffes des Tiger Claws avant qu'ils finissent en... Un C, 55, un C. Petit morceau. Ça te dit? Les détails en pièces jointes. Ne force pas à redemander. Non mais là-dedans, c'est sûr que c'est une zone... C'est une zone interdite. Avec Dominique Chapat. Qu'est-ce que tu fais, mec? Ah mais... Ça se trouve, j'aurais pu juste lui parler et... tranquille. Ça serait tellement kiffant de pouvoir aller à la salle et de s'entraîner, d'apprendre des arts martiaux et... Faire comme dans GTA San Andreas, quoi. Incroyable. Et là, il se fait repérer instantanément. Là, je suppose que si je me rate, je fais sonner l'alarme. BD, BD, 55. Putain. Bon, ne pas donner l'alerte. C'est une blague. J'aurais planqué. Hein. Là. C'est pas ouf. On s'en contentera. Ah mais il y a des caméras. À la base. Ah mais je peux mettre sous les caméras pour les désactiver. Mais ça, c'est ta capacité technique, c'est craqué. Oh mon dieu. Je peux pas m'entraîner sur l'homme de bois, tel Hitman. Maître Hitman.
contre, faut se calmer, Michel. Hein. Moi, je me dis que ça se trouve. Ils sont en dessous. D'où l'intérêt de ce passage. Et qu'il n'y a pas besoin de s'occuper de ceux qui sont en haut. Là, il y a quelqu'un là. Là, il y a deux personnes là. Ah, mais en plus, le contrat s'appelle Bloodsport. Ok. Ouh là là. Oh la moulasse que j'ai eue. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui m'a repéré ? Une caméra ? Bah super. Je sais même pas ce qui m'a repéré. Oh c'est la caméra. Oh c'est la caméra. Je suis dégoûté. On m'a engagé pour te faire sortir d'ici. Tu peux marcher ? C'est 43 combats à mon actif, mon grand. Tu vois, j'ai l'habitude d'encaisser. Dis-moi quand, et je te suis. Ok, lève-toi. On met les voiles. Ça me va. Écoute, si jamais ils nous tombent dessus, je pourrais pas t'aider. Du moins, pas dans cet état. Ouais, t'inquiète, je m'en occupe. C'est pour ça qu'on me paye. C'est pour ça que j'ai un fusil à pompe dans les mains. Tu viens ? Parce que là, du coup, c'est la sortie. Let's go, hein. Putain, mais c'était simple. Je... Voilà, les 6 minutes de... les 6 minutes des caméras. Oh merde, je pensais que c'était un passage. Non, mais là, c'est bon. C'est bon, voilà. Pas besoin de me remercier. Bon, mettons un terme à tout ça. Ah, du coup, je suis sûr, genre moins de thunes. Moins d'XP. Si je joue comme un cul. Bon, par contre, je sais pas si t'as vu, mais il est pas pressé. Hein. Débrouiller. J'en doute pas. Hé, au fait, dis-moi, qui a lâché les édits pour me faire sortir ? Non mais putain, faut que je lui parle. Désolé, je peux pas te le dire. Secret professionnel. Oh, arrête ! Les mercs ont un code de l'honneur maintenant ? Moi, oui. Ouais, t'es réglo. Te laisse pas bouffer par cette ville. Et si elle finit par t'avoir, fais en sorte qu'elle se souvienne de toi. Bon, Roué sain et sauf.
Je sais pas. J'imagine que je m'attendais à autre chose. À plus de discrétion, par exemple. La prochaine fois, fais un effort, ok? Contrat clos. Des os. Je sais pas pourquoi je bourre les lames, hein. C'est plan cul, mais vas-y. Vas-y. Du coup, on va faire ça. Alors, je sais pas si c'est les quêtes de... Si c'est les quêtes d'elle, là, ou si c'est les quêtes de mamie, là. Bon, on a de la route à faire. Trouver un sponsor dans les sociétés affiliées aux EEO. Et on a une voiture de merde. Après une période d'activité de 20 ans au sein des EEO, les détenteurs d'un visa. Alors, je profite de ce passage. On s'emmerde pour faire une petite parenthèse concernant les VOD du Let's Play. J'ai constaté qu'il y a eu un petit souci. Et je pense notamment à l'épisode le plus stylé actuellement du Let's Play, c'est-à-dire l'épisode 12, où on joue avec Johnny Silverhand. En fait, j'ai voulu regarder la VOD. En fait, j'ai regardé la 11e VOD. C'était ok, la qualité était là, etc. Mais... Attends. Enfin, ce serait bien que... Voilà. Merci. Là. Voilà. Malgré les dégâts environnementaux que cela a entraînés, les habitants du pôle sud profitent quand même de la vie. La première maison de poupées d'Antarctique vient en effet. Ah, on n'a pas le choix. Tu peux arrêter. Merci. Ouais, donc voilà. Donc, 11e épisode, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Et par contre, arrivé au 12e épisode, j'ai constaté que la 2K n'était pas là. La population locale et les nouveaux arrivants. Vas-y, tu m'en fous. De criminalité étonnamment bas. Merci. Et le truc, c'est que ce 12e épisode, malheureusement, je ne l'ai plus. J'ai supprimé la VOD du PC parce que je pensais que c'était bien envoyé, qu'il n'y avait pas de problème. Et j'ai l'impression que cette VOD-là ne sera jamais en 2K. Mais arrive à peu près la même couille sur une autre VOD. Et bon, du coup, là, par contre, j'avais gardé un doublon. Et à chaque fois, maintenant, je vais garder des doublons jusqu'à ce que je sois sûr que les VOD soient dans les qualités que dans lesquelles je recorde à la base, parce qu'en plus le 1080p a un rendu trop bizarre du coup, parce que on voit bien que la VOD elle a pas été pensée comme ça en fait, enfin c'est bizarre. Mais du coup voilà, je sais plus sur quel VOD j'ai eu le problème, je crois que c'était sur le 15e épisode, donc l'épisode précédent finalement. Et du coup que j'ai re-upload, et je pense que là pour le coup ce sera bon. Par contre, pour le 2e épisode, désolé, je pense que la 2K, vous l'aurez jamais. Et ça me fait chier, parce que l'épisode était vraiment, vraiment, vraiment trop stylé. Salut V, j'ai un flic qui a besoin d'un coup de main sur son enquête. Il est connu pour agir à la limite de la légalité, alors il n'a aucun scrupule à bosser avec des mercs. Je t'ai envoyé les infos. Donc voilà. C'est un peu, ça me dégoûte un peu, mais parce que en plus ouais, l'épisode était vraiment vraiment trop stylé pour le coup. Mais malheureusement, c'est comme ça. J'attends qu'il bouge.
Ah, je le mets que mid-life si je lui mets une tête là. Hein. Ça, c'est ouf ça. Juste mid-life. Et si je lui fais un court-circuit et qu'après je lui mets une tête ? A, un C, j'ai pas le 9. Cinquante-cinq, 7 A, B, D. Si je te mets un court-circuit, mec. Hein? Ah, mais j'ai pas l'info. De combien ça lui met. Paf. Et merde. En plus, c'est des robots pas beaux là. Deux mecs là. Des implants, des câbles, des nanos. Mais on doit quand même chier, non? Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Oh. Alors? Où tu te planques? En enchaînant deux headshots très rapides, c'est bon, ça passait. Bon, ça c'est juste pour plaisir. Hein. Et là, je lui tranche les tendons d'Achille là. Bien horrible. Hein. Ah, le truc bien affreux. Hein. Qu'est-ce que je dois faire là? Rapporter les enregistrements à Aaron. Ah bon? Donc voilà, pour en revenir à ce que je vous expliquais avant d'arriver, vous ne m'y reprendrez pas. Maintenant, je garde les VOD. Ah, mais il fallait 10 de capacité technique pour cette porte. Ok. Je vais garder les VOD systématiquement jusqu'à ce que je sois sûr que les VOD sont upload et que la qualité est là. Mais genre... Putain, je me prends les barbelés, vraiment. Non, voilà, donc désolé pour cet épisode 12, si vous n'avez jamais la 2K.
Là, j'ai fait le contrôle justement aujourd'hui sur toutes celles que j'avais en stock et a priori, il n'y en avait qu'une seule que j'avais. En vrai, je sais pas pourquoi ça faisait ce. Il y avait ce bug là. Ah, c'est peut-être à cause de moi, de mes envois, ou c'est peut-être juste la faute de YouTube, j'en sais rien. Mais vous ne m'y reprendrez pas. Ça c'est sûr, parce que même pour le coup, même moi ça me fait chier, je vois la différence en fait, le différentiel entre le faux 1080p et la 2K qui est le vrai natif de la VOD, putain, y a pas photo. Hein. Ouais. Aaron, c'est V, j'ai les enregistrements. Salut! J'ai cru que c'était encore un de ces cinglés de Serenity Bible. Entre! Alors? Pas d'imprévu en chemin? Non, on croira que c'était un fantôme. Tu bosses discrètement, hein? Sans frime. J'admire ça. Bon, file-moi les enregistrements. Allez, dépêche. Ces enregistrements, c'est pour une enquête, c'est ça? Mm-hmm. Un sale truc. Mm-hmm. Mais grâce à toi, je vais pouvoir faire avancer les choses. Tiens, les voilà. Beau boulot. Je veux savoir que t'assures comme merc. Ce sera bon pour toi. Venant d'Aaron Mark Carlson. Je peux aller chercher le loot. Ouais, sûrement. Salut. Occupé. Putain, il y avait du loot derrière lui. Il était quoi au deuxième? Non, au premier. J'ai envie de voir si on peut aller chez lui, mais par dehors. Parce qu'il avait du loot, ce salaud là. C'est toujours utile d'être en bon terme avec les flics, pas vrai? Le contrat est clos. En gros, c'est là. Je peux pas, hein. Tiens, il y avait du loot derrière. Ça se trouve, on pouvait genre juste lui savater la gueule, hein. Mais bon, vu que c'était un contrat, du coup, c'était un peu essentiel pour avancer avec elle. Je sais pas, c'est chelou. Chelou. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, il y a ça ici. Moi, je dis, on peut faire ça. Hein. Mais elle m'a encore débloqué un contrat ici. 17 sur 22. Putain, on a bientôt fini avec elle. Hein. Ouais, parce que là, du coup, ça me fait 19 si je fais les deux. 20 si on compte la quête des cyberpsychos. Et derrière, il manque juste une quête et c'est bon. Après, peut-être qu'il y aura toujours des contrats avec elle. Mais je pense pas. Bon. Je pousse un peu parce que bon, je vous ai quand même fait perdre 20 minutes avec mes conneries pour aller trouver ce putain de graffiti. Hein. Ça va, en vrai, les contrats, ça prend pas tant de temps que ça. Surtout le fait d'y aller qui des fois prend du temps, surtout avec cette merde que j'ai acheté 18 000 balles là. Ah ouais, mais les gars, la justice, moi je veux bien, mais... Oh, la justice...
La justice m'appelle. Bon oui, c'était un peu radical, j'admets. Salut V, tu me reçois ? 5 sur 5, pas besoin de crier. Quoi de neuf ? J'organise un petit concours de tir, avec des prix, tout ça. Je fais ça ici, au stand de tir, quoi. J'avais compris. Alors, ça te dit ? Pensais pas que les gros stuffs c'était ton truc. Oh, c'est rien d'énorme, mais bon, je suis un peu raide, alors j'essaie d'attirer les clients comme je peux. Tu pourrais juste vendre des crasheurs tout droit sortis de l'usine, au lieu de passer des heures à en bricoler. Mais, tu sais bien que j'ai ma fierté. Ouais, grave. C'est quand ? Eh bah, maintenant. On t'attend. À toutes. D'accord. Sauf que je suis occupé, là. Hey, salut V. J'ai un petit contrat rapide. Le Maelstrom a piqué une camionnette Malorian. Ils la gardent dans une de leurs planques. Va à l'adresse que je t'ai envoyée et récupère l'éclat dans la camionnette. Pour faire court, vole les voleurs. Va te la pièce jointe si tu veux plus d'infos. Il y a des caméras. Il y a des caméras. C'est pas trop tôt, putain. Je m'en suis douté en plus, mais je pense qu'en plus on était déjà venu ici pour une quête. Je sais pas ce qui met les surchauffes comme ça, mais ça me saoule. Surchauffe, on continue, c'est un plaisir. Je sais pas pourquoi. Alors, je pense qu'en vrai on a débloqué la quête du stand de tir parce que j'ai atteint un certain niveau en shoot. Thank you.
Bon, d'accord. C'est le bordel quand même, hein. Y'a pas. Merci pour l'éclat. Je suis sûr que ça servira. Contrat bouclé. Ouais, contrat bouclé, ouais. Est-ce qu'on fait ça avant de s'arrêter? Comme ça, au moins on a fait un... Au moins on a fait un épisode vénère. Et du coup, pour la prochaine fois, pour le prochain épisode... Donc tout à l'heure, après la pause pour le stream, on ira sûrement essayer de trouver Evelyne. À côté, on a une carte de tarot. C'est vrai qu'on a le stand de tir aussi à faire. En fait, je me dis que là, on fait ça et après, on peut aller chercher ça vite fait. Après, on dirait peut-être faire la quête du stand de tir, j'en sais rien. Je me dis que bon, au pire, tout est en chemin en fait, donc ça peut être rigolo. Ah non, mais faut peut-être que je remette la radio un jour. Il y a de la musique ou pas? J'ai l'impression, mais je suis pas sûr. D'autres. Vas-y, on met ça. Bon, on vient d'arriver, donc on descend de la voiture, donc on n'entendra pas la musique. Merci à tous. Et ça avait l'air vénère. Un type qui s'appelle Max Jones a besoin d'aide. Il l'admettra pas, mais si tu retrouves pas ce moudube en premier, il est mort. Max est journaliste et c'est un bon ami à moi. Je veux que tu me l'amènes. Je t'autorise à employer. Un C1C55. Ah, ou alors 55. 1C, 1C. 55. La force, il résiste. C'est une vraie tête de mule. Je t'ai envoyé les infos. Il y a peut-être même moyen de désactiver les caméras. BD, 1C, 1C. Réseau local. Hors ligne, système de surveillance. Yo. Improvisé. Comme souvent.
Là par contre là c'est cool. Là le piratage j'aime bien. Il faut de la force. Même les gros bonnets du conseil se sont déplacés. Oh putain. Et après, ils ont remballé leur caméra et ils vous ont payé. Exactement. Et vous savez quoi? Les implants, il a fallu qu'on les rende. Ils vous ont remplacé par des saloperies de première génération. Et ils nous ont bien baisés. Ils nous ont tout pris. Et ils nous ont jetés comme... Ouais, bien sûr. Je comprends. T'as, c'est là que je regrette pas du tout de mettre des points dans la capacité technique. Vous êtes un corpo ? Je suis pas une saloperie de costard. Je m'appelle V. C'est Regina qui m'envoie. Regina ? Dites-lui d'aller se faire foutre. Il est chargé. Ok. Pourquoi vous menacez de vous suicider? J'ai cru que vous étiez un corpo, envoyé pour me faire taire. Vous seriez mort quand même. Peut-être, mais ça aurait été mon choix. Ces ordures contrôlent tout, mais moi... Je serai le seul à décider de ma mort. Ça aussi, vous pouvez le dire à Regina. Je vais pas baisser mon froc comme elle. J'ai entendu votre interview en montant. J'ai commencé à diffuser dès que je vous ai vu sur l'écran. J'ai pas terminé, en tout cas pas comme je voulais. Mais au moins, les gens savent la vérité. Il y a un contrat sur votre tête, mais vous êtes déjà sûrement au courant. Ouais. Ouais, je m'en fous un peu, mais Regina veut vous donner un coup de main. Me donner un coup de main, c'est elle qui a besoin d'aide. C'était la meilleure journaliste que je connaissais. C'était mon mentor, putain. Et maintenant, c'est plus qu'une vendue. Mais moi, on m'achètera pas. Jamais. Super, on mettra ça sur votre tombe, c'était pas un vendu. Regina était votre mentor? Pas que le mien. C'était le meilleur reporter de guerre de Night City. Et puis elle s'est reconvertie en fixeur. Ouais, comme je disais, c'est une vendue. Dommage que je puisse pas me lever. C'était différent avant. Putain, la parole des médias, ça comptait. On guettait tous les coups tordus de ces fils de pute. Et maintenant, on peut prouver qu'Arasaka s'est mis Holt dans la poche, et tout le monde s'en fout. Quel intérêt de parler des vétérans, alors, si tout le monde s'en contrefout? Je veux que les gens s'interrogent. Qui pose des questions. Exactement comme vous, là. Peut-être que ce malaise entraînera une dissidence. Qui sait? Je suis convaincu que ça vaut le coup d'essayer. Allez, on y va. Si vous mourrez ici comme un pommard, ça changera rien du tout. Fuir changera rien non plus. Je me passerai de votre aide. Tout ça parce que vous méprisez Regina? Vous avez un truc à lui prouver? Vous comprenez que dalle. Vous avez le goût de la vérité, hein? Si vous voulez savoir qui est Regina aujourd'hui, pourquoi elle se bat vraiment, allez la voir. Pour elle, au moins, ça compterait beaucoup. Max? Il y a des choix de dialogue, en vrai, je pense qu'il faut pas les faire. Je peux bien lui parler, mais c'est tout. Faut pas vouloir forcément tout choisir. Ok, je dois juste télécharger quelques trucs. Faites ce que vous avez à faire. Liberty, ok. Alors, me dis pas qu'on aurait pu arriver par en haut. Une voiture t'attend, d'accord. On aurait pu passer par en haut. Tu viens, mec? On y va? Bon, je pense qu'il me suit. Par contre, tes tourelles, tu les as désactivées?
J'ai l'impression. Yes. Et là, boum, une mine. Allez, mec. Un chauffeur. Ouais, on aurait pu mais passer par là. Après, du champagne, des cigares synthés du marché noir. Pas de temps à perdre. On y va. Bonne chance, Max. Ouais, vous aussi. Réussi à convaincre cette tête de mule. Maintenant, à mon tour d'avoir une discussion sérieuse avec lui. Contrat bouclé. Contrat liberté de la presse, récupérez votre récompense. J'ajoute un petit extra, tu peux le récupérer au point de dépôt. Ouais ? 150 mètres, vas-y, on va aller voir. C'est ça que je vais faire. Ah oui, autant. En plus, on pexe pas mal hein, à faire tous ces petits contrats, hein, franchement. Bon. Laissez-moi réfléchir. Ah oui, il me reste... quand même 3 quêtes à valider avec elle. Comment ça 19 sur 22 j'en ai. Bah merde. 1 sur 8. Alors ça aurait été bien d'avoir une différence des contrats. Genre dans l'icône ou la couleur ou je sais pas. Bon bref, on va s'arrêter là. Pour cet épisode et pause pour le stream. Prochaine fois, on ira choper vite fait cette carte de tarot. Ensuite, on ira sûrement faire la quête du stand de tir. Parce que, à mon avis, ça se fait. Ouais. Voilà. Alors, je sais que ça repousse les autres quêtes. Mais j'ai pas non plus envie d'aller à l'autre bout du monde pour ensuite revenir. Voilà. Donc, tant qu'on est là, voilà, j'en profite et on fait tout. En plus, on a beaucoup de choses. On a aussi cette carte de tarot à choper et celle-là aussi. Je pense qu'on ira essayer de voir, de trouver Evelyne d'abord. Ça m'étonnerait vraiment que le principal s'annule, enfin qu'une des quêtes principales annule l'autre. Vraiment, j'ai un gros doute. Ouais, le jeu nous a pas imposé un choix vraiment en mode « Mec, tu fais celle-là ou celle-là ?» Non, c'est en mode « Vas-y, fais ce que tu fais et puis tu verras quoi. » Donc on verra. Mais bref, en plus là j'ai l'inventaire qui est encore plein, au secours. Bisous YouTube. Et à très vite.